Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo d'unboxisation. Et là, j'ai reçu mon colis Lacoste. En fait, ça fait un petit moment que j'ai reçu le colis, donc c'était pendant les soldes que je l'ai pris justement pour avoir des articles moins chers. J'ai tardé un peu à faire la vidéo, j'ai du coup même pas essayé, je vais les essayer maintenant en live avec vous. On va faire l'unboxisation, savoir qu'il y a quelques articles où j'ai eu moitié prix pratiquement. Donc on va passer maintenant en plan serré et après je vais essayer chaque article et je vais vous dire ce que j'en pense, c'est la taille, si elle correspond, tout ça, ce que ça fait sur moi. Ça va créer plusieurs ensembles différents. Donc voilà ma commande Lacoste dans le carton, donc toujours aussi joli carton avec écrit des petits Lacoste dessus, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc là, on a une petite carte, merci pour votre commande dans toutes les langues. Voilà, et un petit carton comme ça avec à l'intérieur la facture. Donc ça, on va mettre de côté. Donc premier article, voilà, c'est un short. Très beau short. On va l'essayer après. Deuxième article, un autre short, donc vous aurez compris, ça c'est pour aller avec mes t-shirts Lacoste noir ou bleu, et ça c'est pour aller avec les t-shirts Lacoste rouge et blanc. Il m'en reste encore deux shorts, mais bon, le blanc c'est salissant. Et en dessous, qu'est-ce que nous avons? Un autre t-shirt, et celui-là il était vraiment pas cher. Style, il me semble, il était à 35 €, il me semble. 35 ou 37 €, c'était le moins cher des t-shirts Lacoste, je l'ai pris. Et il y a deux autres articles aussi, mais les deux autres articles, je trouve qu'ils méritent une vidéo pour eux tout seuls. Donc pour cette vidéo, on va voir ça plus en détail et on va les essayer tout de suite. Ce que je voulais vous montrer en gros plan, c'est que le crocodile, il est en plastique. Et sur celui-là aussi, il est en plastique. Et c'est la toile, voilà, comme les anciens survêtements, comme les anciens shorts. C'est comme un ancien short. Celui-là, il est beau, celui-là. Avec la petite grille, tout ça. Et aussi, autre chose que j'ai constaté, c'est que j'avais pas fait attention, c'est que ce t-shirt, il n'y a pas de petit crocodile, mais c'est écrit en gros Lacoste. On va le voir en ouvrant, mais normalement, il n'y a pas de crocodile là-dessus. Mais c'est le moins cher que j'ai trouvé de t-shirt, voilà. Ça fait comme une petite grille. Ça pourrait être assorti avec celui-là de short, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Largement, sauf que là, c'est un bleu marine, bon. Ça se match le bleu. Et le bleu marine, c'est presque un bleu marine foncé, presque noir. Donc ça ira avec le noir aussi, je suppose. Donc ça, c'était le moins cher. En taille M, 35 € celui-là quand même. 35 €. Donc on va passer à la cabine d'essayage maintenant. Donc allez, il y a le carton. Donc bon, comme j'ai mis le t-shirt noir, je vais essayer le short noir tout simplement. Enfin non, il n'est pas noir, mais il est bleu marine. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le bleu, il n'y avait plus en noir à ma taille. Le bleu, celui-là, le bleu et celui-là, il se match avec celui-là. Et le bleu marine et noir, c'est presque pareil. Allez, on va l'essayer tout de suite. Donc déjà, regardez ce que ça donne. Voilà, et là, il y a les poches. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, il est bien assorti, franchement. De loin, on voit pas que... Franchement, on va voir les poches. Les poches, elles sont pas mal grandes, ça va. Alors, c'est le tissu comme les anciens survêtements, avec des petites grilles en nid d'abeille. Ici, là, il y a une partie, voilà, c'est en tissu. Voilà, une petite grille en tissu. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? De l'autre côté, il y a du coton blanc. Franchement, il y a du coton blanc à l'intérieur. Hop, regardez un truc qui est marrant, c'est qu'il y a marqué... Lacoste Sport à l'intérieur, c'est pas une étiquette, c'est directement marqué sur le coton. Là, il y a l'étiquette, mais il n'y a plus marqué devant de lait comme avant. Avant, c'est comme ça qu'on reconnaissait, c'est que sur l'étiquette, il y avait marqué devant de lait, mais c'est pas grave. Donc, c'est une taille M, USM. Donc, je vais l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense.
Du coup, maintenant, on va passer à ce t-shirt-là. Si je dis pas de conneries, ce t-shirt-là, Lacoste, je l'ai payé 50 euros, 35 euros. C'est le moins cher qu'il y avait du site, en fait. C'est le t-shirt le moins cher du site, 35 euros. Mais à savoir que je pense qu'il n'y a pas écrit, il n'y a pas le crocodile, il y a juste marqué l'écriture Lacoste. Donc, on va l'unboxer. Donc, le short, je valide, il me va super bien, taille M, impeccable. Je doutais parce qu'à une époque j'avais 10-20 kilos en plus. Il fallait plutôt que je mette du L. J'avais quelques petits problèmes. J'avais tous mes vêtements, c'était du M. Et voilà ce que ça donne. Pas mal. Franchement, pas mal. Simple. Et la qualité qu'il a, c'est que ça se voit, il est très léger. C'est en tissu synthétique. Vous voyez le tissu en fait? Le tissu, il est élastique. Ça, c'est imprimé en blanc. Voilà, avec le temps, avec beaucoup de lavage, ça peut partir. Pareil, taille M. Voilà, l'arrière, il est simple et il n'y a rien. L'avant, il n'y a rien. Le seul défaut qu'on pourrait lui dire, c'est qu'il n'a pas le crocodile, mais c'est écrit en gros, quoi. Allez, on passe à l'essayage maintenant. Donc le voilà, je l'ai essayé. Hop, l'étiquette. Hop, derrière, voilà ce que ça donne. Celui-là, c'est un M qui taille un peu large. Ça va, il est bien. Il est bien, si je me remets à la muscu, que je gonfle un petit peu, ça sera peut-être légèrement moulant par la suite. On verra si je me remets bien à la muscu, tout ça. Et ça peut très bien matcher avec celui-là, ouais, vous voyez. Le bleu, ça match. Ça va très bien avec celui-là, le bleu marine. Ça va très bien ensemble. Donc celui-là, je le valide. Il n'y a pas de problème, je le garde. 35 euros quand même. J'ai tardé à faire cette vidéo. Normalement, elle aurait dû sortir pendant les soldes, mais là, les soldes, c'est fini maintenant. C'est dommage. Voilà pour donner des idées à ceux qui étaient intéressés pour acheter du Lacoste. Donc, maintenant, on va essayer le dernier article. En fait, la casquette et le masque coronavirus, ils étaient dans le même colis, on va dire. Vous voyez cette casquette-là que j'ai eue à 31 au lieu de 50. Donc, on va voir maintenant le dernier article. Et c'est le short blanc et rouge. J'en avais un avec des bandes bleues. Je vous le montrerai peut-être. Je ferai peut-être une vidéo de mes anciennes affaires Lacoste sur ma chaîne Nas Boutique et Live. Nas Boutique et Live. Je le marquerai en cas dans le commentaire épinglé. Nas Boutique et Live. Boutique du jour. Donc voilà. Donc j'avais oublié de dire. Ouais, si je l'ai dit, le crocodile il est en plastique. Donc ça, évidemment, le short blanc et rouge, c'est pour se matcher, c'est pour matcher avec le t-shirt rouge et blanc et le t-shirt bleu blanc rouge aussi. Donc le bleu blanc rouge, il peut aller avec celui-là. Vu que c'est bleu ici, bleu marine, ça commence bleu, blanc, rouge. Donc on va l'unboxer tout de suite. L'unboxer ancien. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a marqué en gros Lacoste ici. Et ça peut même matcher avec celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a marqué en gros Lacoste. Là, il y a marqué en gros Lacoste. Ça peut très bien matcher. Bon, le tissu, comme vous le voyez, c'est comme celui du survêtement. De ce côté-là, on n'a qu'une bande rouge et le petit crocodile qui va avec. Voilà, j'ai oublié de dire, il y a des trucs là pour le resserrer, mais c'est déjà, comment dire, il y a déjà un élastique. La petite étiquette à l'intérieur. Écrit Lacoste, voilà, c'est doublé à l'intérieur en blanc en coton. À l'extérieur, c'est synthétique et à l'intérieur, c'est en coton. Ça peut très bien matcher avec celui-là. On va essayer tout de suite. Donc voilà, je trouve qu'il match bien, voilà, avec ce t-shirt là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça match bien. Il y a un petit truc Lacoste en noir qui coupe ici. Je trouve que ça fait un bel ensemble. Je trouve que ça fait un bel ensemble. Mais un truc qui est bizarre, c'est que pour du M, bon, les poches elles sont grandes, ça va. Il y a même une étiquette dans la poche, normal. Ce que je trouve bizarre, c'est que le blanc,
il taille plus grand. C'est le même M que celui-là. Mais celui-là, il me serrait plus, on va dire. C'est pas le même élastique. Celui-là, il me serrait plus. J'avais pas besoin d'utiliser les lanières pour le resserrer. Et celui-là, le blanc, il taille plus grand. Je sais pas, le blanc en général, ça passe plus grand, ça fait plus grand le blanc. Mais là, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, mais je valide aussi. Je le garde. Voilà, celui-là, comme ça, là, quoi, comme ça. Je le garde, je valide. Oh, j'ai galéré à faire cette vidéo d'unboxing. J'ai dû prendre sur l'autre carton, déballer. Et c'est pas fini. Parce qu'après la vidéo, je vais devoir tout ranger, toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires-là et tout ça. Et c'est pas fini. Il va me falloir faire le montage en plus. Je vais me régaler sur ce montage. Parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites comme ça en gros plan sur le smartphone, ici, tout ça, le gros plan, plan serré, plan large. Mais c'est un plaisir. Quand je vois le résultat final, c'est un plaisir. Quand je vois que je fais pas trop de vues, je suis un peu dégoûté. Voilà, si je fais moins de 200 vues en 2-3 jours, je suis un peu dégoûté. Si je commence à faire 300, 400, 500 vues en 24-48 heures, là, je suis content. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires pour aider la vidéo à être référencée. Et à commenter, ben, n'hésitez pas, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai de toute manière. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à savoir que je fais des vidéos d'unboxing, mais aussi Actu People, Actu du YouTube Game, et dégustation, vlog, visite, humour, sketch, prank, tout ça. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était NasGamer06, merci d'avoir regardé.